Le procès historique de plusieurs dizaines de membres et sympathisants du parti néo-nazi Aube Dorée, jugés pour appartenance à une organisation criminelle, a été suspendu quelques heures après son ouverture lundi 20 avril. L'audience, qui a été ajournée car l'un des 69 accusés n'avait pas d'avocat, doit reprendre le 7 mai. La justice devra évaluer si Aube Dorée répond aux critères d'une formation criminelle, un verdict qui menace directement l'existence de ce parti, troisième force politique du pays. 69 prévenus, membres sympathisants ou représentants d'Aube Dorée, sont renvoyés devant le tribunal. Parmi eux, les 18 députés néo-nazis élus aux législatives de juin 2012, dont 13 sont toujours parlementaires aujourd'hui, dont le chef du parti, Nikolaos Michaloliakos, l'ancien porte-parole Elias Kassidiaris ou encore le parlementaire Christos Pappas. La plupart de ces députés avaient été interpellés lors d'un vaste coup de filet en septembre 2013. Neuf d'entre eux ont été placés en détention provisoire d'une durée légale de 18 mois en Grèce. Ces responsables seront jugés pour constitution et appartenance à une organisation criminelle. À leur côté, des membres ou sympathisants du parti seront eux jugés pour appartenance à une organisation criminelle. Sur son site internet, Aube Dorée qualifie ce procès de vaste complot politique et judiciaire. L'offensive judiciaire a été lancée par le ministre public après l'assassinat, le 18 septembre 2013, du rappeur antifasciste Pavlos Fissas par un membre d'Aube Dorée. L'investigation, qui a duré près de 15 mois, a été supervisée par le procureur Isidosoros Dogiakos. Ce dernier a remis à la justice un rapport de 698 pages en octobre. Création de milices d'assaut, entraînement paramilitaire, détention illégale d'armes, l'enquête a mis au jour les zones d'ombre du parti. De nombreuses pièces à conviction, conversations enregistrées et images sont venues étayer cette vaste enquête. Des accusés devront ainsi répondre sur plusieurs dossiers venus alimenter la procédure, entre autres des tentatives de meurtre contre des pêcheurs égyptiens en juin 2012, des violences contre des membres du syndicat communiste PAMé en septembre 2013 et le meurtre du rappeur Pavlos Fissas en septembre 2013. Côté partie civile, plus d'une centaine de témoins seront appelés à la barre pour témoigner des violences et agressions reprochées à Aube Dorée. Vantant une Grèce aux Grecs, Aube Dorée a prospéré dans le sillage de la crise économique et surfé sur un discours anti-immigration. Peu connu avant son entrée au Parlement, aux législatives de juin 2012, le mouvement est resté stable aux dernières élections de janvier, conservant 17 députés, confortant ainsi sa place de troisième force politique incontournable. Il y a un grand intérêt de la population pour ce procès, car pour la première fois, un parti politique agit comme une organisation criminelle, et dans le même temps, on prend conscience que c'est un vrai scandale qu'une organisation nazie ait pris la forme d'un parti politique normal en Grèce, explique Dimitris Psaras, journaliste et auteur de l'ouvrage Aube Dorée, le livre noir du parti grec nazi. Au terme de ce procès, la justice décidera si oui ou non le parti peut être qualifié d'organisation criminelle, ce qui pourra entraîner une interdiction du parti. Certains accusés risquent par ailleurs jusqu'à 20 ans de prison. Dimitris Psaras est confiant. La justice a rassemblé 1000 preuves irréfutables pour les activités criminelles de l'organisation et la culpabilité des responsables. Toutefois, il ajoute, si le procès se termine en fiasco, l'organisation en sortira certainement plus forte. Dans le cas peu probable où la direction de l'organisation serait acquittée, les bataillons d'assaut nazis pourraient être encouragés à s'unir au-delà de leur division. Ce serait une tragédie pour la société grecque.